La pose de la structure. Commençons par la pose de l'appui-bavette. Disposez des cales tous les 50 cm maximum le long du tracé au sol en suivant la notice. Posez l'appui-bavette en périphérie du tracé. Vérifiez le niveau de l'appui-bavette et calez si nécessaire. Le maintenir au sol par une vis à chaque extrémité dans les emplacements pré-percés. L'appui est vissé à 7 étapes du montage. Réalisez une étanchéité à la jonction des pièces d'appui en utilisant votre cartouche de silicone. Préparation des châssis. Disposez votre étau, préalablement protégé, de façon à recevoir les châssis que vous allez préparer. Déconditionnez les châssis avec le défilmeur fourni dans les accessoires. Attention, le cutter est strictement interdit. Les châssis et autres éléments composés sont tous étiquetés dans l'ordre de la mise en œuvre et pour chaque modèle. Cette précaution vous permettra de vérifier en permanence le respect de la chronologie de montage. Le dévitrage des châssis fixes. Attention, seuls les châssis fixes doivent être dévitrés afin de permettre l'assemblage des cadres. Une étiquette vous permet de les distinguer des châssis coulissants. Départclosez les châssis fixes en ôtant les joints de pare-close à l'aide de la main de bois fournie dans les accessoires. Ôtez les pare-close et rangez-les soigneusement avec leurs joints afin de les remettre à leur place sur le bon châssis. Attention, la manipulation des vitrages est délicate. Utilisez pour cela des gants, des ventouses et des chaussures de sécurité. Retirez le vitrage des châssis et déposez-les soigneusement à la verticale sur des cales. Attention, ne jamais déposer un vitrage directement en contact avec le sol et jamais sur un angle. Pose des cadres. Les cadres sont posés les uns après les autres. L'ordre d'assemblage des cadres est spécifique au modèle choisi. Il sera défini par votre notice de pose. Chaque cadre est étiqueté pour vous faciliter le repérage. Posez des cales de centrage le long du profil. Déposez un cordon de colle élastomère. Utilisez la cartouche fournie. Présentez les deux éléments, l'un en face de l'autre. Assurez-vous du bon emboîtement de votre cadre dans l'appui-bavette et contrôlez son niveau. Vissez sur les quatre emplacements pré-percés.